Bonjour, aujourd'hui, ça fait un an depuis Ouakchacho et la côte sud-est. Aujourd'hui, ça fait un an depuis que Mauritien et la côte sud-est de la ville affectée. Aujourd'hui, ça fait un an qu'il y a quatre incompétents qui causent problème de la côte sud-est. Le premier ministre, il faillit en tant que ministre de l'Intérieur. Il n'est pas capable d'assurer la sécurité des Mauritiens. Aujourd'hui, ce bateau qui s'appelle Ouakchacho, qui est rentré, qui est costé la côte, sans intervention d'une équipe garde côte spécialisée, sans intervention d'une équipe pour venir arrêter ce bateau-là pour qu'il touche le récif, aujourd'hui, nous trouvons les conséquences. Le premier ministre, le premier responsable de ça en tant que ministre de l'Intérieur. Pendant une semaine, Ouakchacho pourrait cela avant qu'il ait cassé. Pas de gain, aucune intervention là. Pas de faire du diligence. Bouer, pas de mettre quand besoin de mettre. Surtout quand nous connaissons sa période de juillet là. Et on appelle ça un divan South East Trade Wind qui soufflait, qui pour talonner bateau là, capable de casser. Premier ministre, le plus grand responsable de ce désastre là. Et moi, je dis, Pravin Kumar Jagna, tu n'as pas de bizan à la tête du pays, tu as de bizan fini de démissionner. Si tu tiens un petit peu sens de l'amour propre en toi. Deuxième grand responsable de cette grande catastrophe-là, c'est le ministre de l'Environnement, Kavi Ramano, qui n'est pas capable d'empêcher que nous l'environnement marin affecte l'eau sur la côte. Là. L'eau sur la côte sud-est, nous avons du pétrole, nous avons tout les autres affaires, les déchets qui n'arrivent. Mais seulement, jamais, nous avons une aussi grande catastrophe que ça dans nous la mer pour l'incompétence. Kavi Ramano, c'est déjà un plus grand responsable qui est dans ce désastre-là. Nous avons le ministre Sudi Amodou, ministre de la Paix, troisième, qui n'est pas capable de protéger nous lagons en tant que ministre de la Paix. Et même, nous avons gagné, comme on appelle, men dead at sea. Par rapport, comme on dit, avec ce Gaëtan, qui est un dommage collatéral de Ouakchacho. Le commissaire de police, pas de prendre décision quand tu viens prendre pour avoir l'équipe commando de ce bateau-là. Attention à une mutinerie, attention au bateau-là permet un terroriste et attention au bateau-là qui permet un produit toxique qui peut venir pour éclater nos rivages, nos territoires. Ça, 4 Jimounan, c'est le plus grand responsable qui est dans l'affaire Ouakchacho. Parce que pour moi, je ne peux pas faire non pour protéger nous. Je ne peux pas faire non pour protéger nos îles pendant une semaine et je ne peux pas faire non pour protéger les peuples mauriciens pendant une semaine. L'histoire, il ne faut pas oublier ça quatre noms-là. Et ça, il faut bien mettre et nous bien raconter nos enfants comment ça en arrive demain pour nous connaître que l'incompétence amène un pays. Aujourd'hui, un an après, autour du PC, il peut bien faire la grève de la faim pour gagner aujourd'hui parce que la vie est affectée. Il y a une femme qui peut travailler, elle la pêche, après il y a un petit carré après, la vie est affectée. Taxi, la vie est affectée. Il y a un plaisancier, la vie est affectée. Ban PCI la vie affectée. Ban dit moun ki repo bateau sot la vie affectée. Ban dit moun ki repo moteur bateau sot la vie affectée. Ban dit moun ki repo casier sot la vie affectée. Ban bagnon sot la vie affectée. Ban morson poisson sot la vie affectée. Ban restaurant sot la vie affectée. À cause la compétence 4 dit moun get comme la vie affectée. Mais il n'arrive pour ça arrêter. Aujourd'hui quand nous get Ouakchacho pour moi encore un coup Ouakchacho, c'est un voluntary wrecking, qui veut dire un affaire qui est programmé. Quand nous avons un changement de direction qui tient bien avant que Ouakchacho rentre dans nous de l'eau, ils sont en direction pour amener directement la côte de Point Destiny. Il paraît comme Stanford Hawk, quand ils finissent la côte de l'Afrique, ils sont sur cap en deux occasions pour qu'ils tous les deux rejoignent un moment voulu, un moment donné à un point précis. Pour moi, peine à n'en rien qui pouvait tirer dans la tête qui. C'est un voluntary wrecking, une programmée. Dans le jargon, on appelle ça insurance and ransom. Dans le langage créole, on dit casse-fan. Qui fait tout le monde gagnant là-dedans. Si demain, tu as un produit illicite dans ce bateau-là, il finit débarqué, qui veut dire 10 dollars, il finit gagné. Si demain, maintenant, le bateau-là coule, qui veut dire l'assurance couvert bateau, pays gagne des dommages. Et salve team prend son ransom y aller parce qu'il n'y a pas de casse, il y a tout ce qui est dans le bateau là.
Donc, qui veut dire pour moi, c'est une raison casse-fan que tout le monde bénéficie d'une plan. Je vais expliquer une autre petite affaire encore. Quand nous avons tout ça affaire qui nous passe là, nous vous posons nos questions. C'est une émission qui tu fais pour un confrère de l'Express. Le titre, base de Ositaram, Tilo Bateau. D'après Rimea qui est là-dessous, tu as une très drogue positive dans ce bateau-là. Et malgré qu'ils m'ont mis plainte pour tampering with evidence, perverting course of justice, parce que si fini le zen case, je n'ai pas coulé le bateau là, je n'ai pas détruit la preuve qui tient dans l'eau là. Je dis même, si je fais une contre-expertise, le bateau là est trouvé à 4000 mètres en bas de l'eau. Et si ou quoi, nous ne pouvons pas prouver qu'il tient dans la drogue là, je dis, est-ce qu'il nous croit nous même ça d'après sa rimière là? Si je dis, nous demandons une contre-expertise, nous ne pouvons pas prouver si ou demain, ou un case ou une logée, ou détruire une preuve ou fermer. Si demain, ou tempered with evidence ou fermer. Aujourd'hui, nous avons 4 ministres qui sont dans le comité là. Ok? Aujourd'hui, pas qu'on gagne. Nous avons un conseiller qui sont dans le comité là. Moi, mettre case tempered with evidence, perverting cause of justice, je ne pas fermer les autres. Parce qu'il fait la justice à Maurice, il n'est pas pour tout le monde. Quand vous êtes ministre, quand vous êtes dans le gouvernement, vous ne pouvez pas faire ce qui vous est là. Vous ne pouvez pas faire ce qui vous envie. Mais vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes dans l'affaire pareil comme sur Ominaden. Donc, c'est ce que je peux dire aux autres, comprends mon chaque côté. Non. Encore un coup, qui m'a dit, d'après rumeur là-dessous, le bateau là, avant que je t'aille couler ça, tu as une drogue très positive. À cause de ça, c'est bizarre que le bateau là. Donc, comprends mon chien, quand nous arrivons. Si ou tu t'aimes pas with evidence, si ou tu peux être cause of justice, ou tu peux fermer, mais c'est pas Michel là-bas, non. Et c'est pour ça qu'il me dénonce aussi le commissaire de police, parce qu'il est aussi complice de sa situation là. Quand nous avons tout ça là, c'est malheureux qui peut payer. Et encore peut payer aujourd'hui après un an. Donc, il est intolérable. Moi, j'espère que ça va faire Wakacho là, il reste dans la tête de tout le monde et lui montrer à qui point ce gouvernement là, il détruit à Maurice écologiquement et financièrement, il détruit ça la côte sud-est là. Pas oublier tout le secteur économique, pas oublier tout le petit business qui m'ont dit là, et pas oublier tout le Mauritien là. Je dis, il y a des gens qui ont besoin de rester dans un endroit où il y a de l'huile contaminée. Si des gens sont malades, ils ont tout ça là. Mais ils ont un plan de location, ils ne prévoient pas pour ça, des gens. Mais à cause de ça, je vais laisser les peuples Mauritien là. Pour moi, c'est un voluntary wrecking, ça a fait Wakacho là. Pour moi, c'est une affaire organisée ça. Et pour moi, il y a quatre grands responsables là-dedans. Pravin Kumar Jagnat, Kavi Ramano, Soudi Amodou et le commissaire de police qui est là. Merci beaucoup.